Re-coucou tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Bon, j'ai le truc qui n'arrête pas de se glisser. Donc j'ai deux choses en vue. La première, ça va être de recréer une carte avec ce fond-là. Alors on ne le voit pas au premier coup d'œil, mais il me faut du papier blanc. Excusez-moi pour ma voix. Alors, une feuille blanche. Toi, tu restes là. Une feuille blanche. Je vais faire la découpe. Donc, hop là, c'est parti. Je la fais. Je la fais, je la fais. Je vous montre le résultat après. Oui, surprise. C'est surprise, surprise, en fait. Hein? On va dire ça. Donc, bah non. Bon, je suis obligée de jongler. Voilà. Alors, j'ai toujours très mal aux jambes, hein. Je suis désolée, mais voilà, ça va être c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, terrible. Donc déjà ça. Ouais, il va falloir que je fasse. Du gratouillage. Ah. Ça marche pas très bien, hein, quand on n'y met pas la force. Ça marche pas. Bon, être obligé d'utiliser pique, hein. Pique, coller, programme. Ah ouais, non, mais là c'est tout petit, tout petit, tout petit, donc c'est à peine la pointe du pique. Donc, voilà. J'en ai plus beaucoup à faire. Je vous demande un peu de patience. Voilà, normalement, c'est fini. Bon, en fait, je regarde si tout est fait. Ouais, ça donne ceci. C'est pas des ronds, c'est que des petits cœurs. Voilà. Donc à mettre sur une base. J'en ai pas partout. Sur une base de la couleur de votre choix. Et ça vous fait un résultat génial. J'en ai plein partout. En fait, c'est ce que j'ai fait pour ma soeur. Voilà. C'est la seule carte que j'avais faite comme ça. Et puis, j'ai dans l'idée de faire un montage. Voilà. Vous voyez? Hop, là. Je vais faire un montage. Donc après, là, j'ai pas cherché les feuilles. Je ne sais pas quoi utiliser pour
ce soit original. Oui, moi j'aime bien quand c'est original. Donc, une base unie. Avec quelque chose qui tilte, quoi. Donc, je vais prendre la base en noir. J'espère que... Eh ben non. Ben non, ben non. À moins que j'y mette du scotch. Mettre du scotch. Je vais essayer de voir. Bon, alors là, il faut que je vise correctement parce que c'est pas. Voilà. Hop, on va faire ça. Voilà. Donc, ah, on a encore des haltères. Celui-là, hop, les haltères. Je vais vous faire des trucs bizarres avec les haltères. Donc voilà, j'ai un bout de scotch à mettre. Ça sera pour moi, c'est un coup d'essai. Voilà, je vais chercher le scotch. J'ai mis où le scotch? Je ne sais pas. Ah, il est là. Voilà, on appuie bien pour que ça ne se voie pas. Enfin, à peine. Donc, alors là, un papier original. Je vous passe sur les mains parce que vous ne voyez rien. Ça, je ferai une carte. Donc, un papier original. Alors, on va le mettre où là? Peut-être comme ça, mais ça va pas. Là, ça va dépasser, donc je pourrais pas le fermer, donc ça va être comme ça. Et quel papier j'ai utilisé? Direct, j'en ai un en vue. Voilà, c'est du bois. Rose. Bon, alors celui-là, c'est fait. Celui-là, à faire. Donc là, hop là, hop là. Ça faisait longtemps. Décidément, celles-ci, elles veulent pas rester avec moi là-haut. Voilà, hein.
Hop là. Hop là, hop là. Décidément. Alors, est-ce qu'il y a celle-là? Non. Alors, il y a tout qui tombe. J'en ai pas perdu en route. Si. Hop, il y en a une autre là. Voilà. Bon, ben on va les laisser en bas, hein, puisqu'ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas être en haut. Donc on enlève le die. Le die, pardon. Décidément. Alors là, on a des découpes. On y va tout doucement parce que voilà, il n'y a pas le pli non plus. Ah si, il y a le pli, mais il est trop léger. Bon alors, il est où? Il est là. Hop. Waouh. Donc le pli, on l'a fait. On le fait du sens contraire pour que ça tienne. Donc voilà, on va venir la coller là. Donc on fait que le tour. Ah ouais, mais là il manque un. Je vais mettre un papier blanc. Ça c'est complètement au hasard là. Hein. Mettre un papier blanc en dessous. Est-ce que ça ira? Oui. On va faire un papier blanc. Ciseaux. On va mettre un petit bout seulement. Donc il faut que je coupe encore un peu. Que ça n'ira pas, c'est trop petit. Hop là, reste là toi. Donc, je vais couper. Je vais voir moi ça. Il faut que ce soit là. Donc, je vais couper. Voilà. Voilà, et puis après, alors, ah oui, non, mais c'est un calcul. On fait encore un peu. Oui, là. Voilà. Bon, c'est pas trop droit, mais ça ira.
comment le placer. Si je démarre droit, pas droit. Donc voilà, là. Là, c'est bien. Donc, je vais simplement. Je vais m'en mettre plein les doigts. Punaise. Voilà, non, j'en ai plein les doigts là déjà. Pourquoi ça a coulé? Pourtant, il est bien fermé. Ah, je vais mettre de la colle au coin. Voilà. Aux autres coins. Elle coule toute seule. Voilà. Bon, il y a plein de colle. Il y a plein de colle Anatole. Je m'aroufle. Et là, il me faut de la colle tout autour. Alors, celui-là. Il n'y en a pas. Donc voilà. Donc là. Important, on se base sur le bas. Là. On va laisser sécher. Oui, pour le papier. Bon, alors ça a coupé, la mémoire était pleine. Ah oui, bah oui. Donc j'en étais là. Donc entre-temps, ça a séché. Voilà, il reste qu'à marquer le pli ici. Donc là, je vais prendre ma règle parce qu'il y a une double épaisseur. Voilà, et pour marquer le pli, le plioir. Voilà. Ce qui nous donne, hop, en fait c'est caché, ça tombe très bien, très très bien, et voilà, ce qui nous donne une double enveloppe, voilà, donc on peut mettre du blanc à l'intérieur, voilà l'idée. Voilà. Hop. Et puis là, eh ben, il suffit de faire la carte selon la grandeur du die, on colle ça en maroufle pour enlever tous les petits points de colle et puis ça nous fait une belle carte. Voilà, voilà. Tout ça pour ça. Et ouais. Obligé d'enlever toutes les vidéos pour que je puisse continuer. Oui, non, mais voilà quoi.
Là, il est 4h moins 10. Donc, c'est un mi-temps. C'est un mi-temps. Bah oui, c'est un mi-temps. Donc, je ferai le tamponnage du mimosa plus tard parce que là, j'ai réactivé les encres. Donc, il faut qu'elles boivent l'eau. Donc en vert et jaune. J'ai ça à coller. Donc qu'est-ce que je vais faire? Alors déjà, j'ai pas utilisé mon plioir pour plier la carte. Voilà, c'est déjà mieux. On insiste un peu parce que c'est du papier très épais. Très épais, très épais. On fait le tour de la carte. Bah oui. On fait le tour de la carte. Hop là. On fait une croix. Bah ça. On vient y coller. Je veux bien moi, mais il reste pas en place. C'est pas possible. Hop, on enroule. Bien comme il faut. Voilà. Voilà. Ce qui nous donne une carte avec une base violette. Voilà. Voilà. Il n'y a plus qu'à décorer. Voilà. C'est ce que j'avais fait avec le rose. Donc celui-là, je crois que je vais le mettre au sale. Il est plein de colle. Donc où est-ce que j'ai mis? Allez, voilà. Hop. Voilà. Un propre. Au propre comme le figuré. J'en ai marre. Bah, j'en ai marre parce que. Bah, parce que ça. Ça donne jamais ce que je veux. Niveau vidéo. Hein. J'arrête pas de me battre avec ces vidéos. Donc voilà, bah, je vous laisse là, je vous dis à plus.